Oui, la Bretagne, c'est tout plat. Eh ben viens mon copain, quand on sera à ta 178e montée-descente, eh ben peut-être que tes gambettes te diront finalement c'est peut-être pas trop mal le plat. La pointe du Gouerne les amis. Bah oui, cette pétarde que tu vas devoir te monter 5 km avant l'arrivée. Eh oui, ça se mérite cette arrivée. La première raison, ce sont ces bénévoles toujours là, accueillants, bon vivant. Et même à 3h du mat, ils sont là, en souriant. Et même si t'as un problème à tes gambettes, ils te feront un petit massage pour repartir faire la fête. L'océan, la rade, tout est là. Le Ménézam, peut-être que tu verras un beau coucher de soleil tout en haut là-haut. C'est beau, c'est beau. Venez, venez, mais ça se mérite. De l'authentique, on est là, on mange de la pelouse, on va en chier, on va kiffer, on va aimer. Peu de coureurs prendront cette ligne de départ pour de l'authenticité, de la convivialité, du partage au maximum. Ça, c'est une des raisons fortes de venir faire ce grand raid du Finistère. On est là en toute intimité, mais on est là pour kiffer. De l'écologie, on est là pour préserver notre planète, pour en profiter un maximum et tout en prenant soin de cette terre qui nous accueille avec tous ces parcs nationaux régionaux, ce conservatoire du littoral, cette Natura 2000. On fait au mieux pour conserver cette belle terre, ce beau territoire. Alors, plusieurs choses, zéro bouteille de plastique, zéro, aucune. Vous ne verrez aucune bouteille de plastique sur ce Grand Raid du Finistère. Deuxième chose, un trail en totale autonomie, aucun balisage sur le Grand Raid du Finistère. T'auras pas de fanion, t'auras pas de petit drapeau, rien. Tout à l'orientation, à la montre ou avec ton téléphone. Rue de Potier. Et la dernière chose, pas de gaspillage alimentaire parce que c'est à toi de ramener ce dont tu as besoin. Et nous, on se charge de l'acheminer sur 4 endroits du parcours. Et ça aussi, ça en fait une particularité de ce Grand Raid du Finistère pour un maximum de préservation de ce territoire. Et enfin, un dernier point, eh bien cette ligne finisher, elle se mérite. Peu de coureurs arriveront à l'arrivée parce que les barrières horaires sont très serrées et nous souhaitons un nivellement du trail par le haut parce que faire un ultra trail, c'est quelque chose d'exigeant, d'engageant, de traumatisant. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Pour le corps et donc ça se mérite, ça se doit se préparer correctement et là, nous, on veut uniquement les coureurs qui sont prêts et qui sont convaincus qu'ils atteigneront l'arrivée avec cette barrière horaire de 31 heures maximum. Cette bonne odeur des pings, mon petit monsieur, tu te croirais dans le sud et pourtant tu es en plein cœur de la Bretagne, dans le Finistère, sur le parcours du Raid du Finistère. Voilà, alors j'espère que je t'ai convaincu de venir participer à ce grand raid du Finistère. Si tu le veux, si tu en as la capacité, si tu en as le niveau, surtout si tu es en montagne et que tu doutes que la Bretagne c'est une terre sportive et culturelle, viens, on va te montrer ce qu'on a dans le ventre. Et si tu es intéressé pour être sponsor ou partenaire du grand raid du Finistère, n'hésite pas à me contacter, je te répondrai avec grand plaisir et on verra ce qu'on peut mettre en place ensemble. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à aller suivre toutes les pages du grand raid du Finistère et tout ce que vous pouvez suivre parce qu'on va produire du contenu pour vous. Vous animez cette belle course. Allez, à bientôt, c'était François, bye bye. De l'authentique, on est là. Putain, quel point là quoi.